like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui sera un petit peu particulière aujourd'hui puisque je reçois une invitée très spéciale. Ma mère s'est prêtée au jeu de YouTube et a accepté de tourner cette vidéo qui sera dédiée au maquillage pour les personnes plutôt cinquantaines. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui peut se faire en termes de maquillage. C'est pas très compliqué, il y a juste quelques petits astuces à savoir pour se maquiller correctement en fonction de sa peau. Donc, dans un premier temps, on a déterminé si sa peau avait un sous-ton chaud ou un sous-ton froid. Je vous ferai une vidéo pour savoir un petit peu comment choisir son fond de teint, comment choisir son anti-cerne, savoir si on a sous-ton chaud ou sous-ton froid, un petit peu connaître les couleurs de blush à choisir en fonction de sa peau. Ça fera l'objet, je pense, d'une nouvelle série de vidéos. Donc là, on a déterminé qu'elle avait un sous-ton froid. Donc j'ai pris en fonction de ça une couleur de fond de teint qui correspondra, je pense, à sa carnation. J'en avais très peu, donc j'en ai trouvé un qui ira peut-être et que je viendrai réchauffer avec un bronzer si toutefois ça ne fonctionnait pas. Et puis on a choisi de travailler avec elle sur des tons un petit peu prune, vu que c'est l'automne, en plus ça sera parfait. Donc je vous laisse découvrir tout ça et puis on se retrouve tout de suite.
Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez des vidéos du genre plus souvent, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voudriez que j'aborde. En attendant, bah, pour l'heure, je vous dis que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Are you listening? Damn.